أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Bon, j'ai déjà le sourire avant de commencer parce qu'en fait on va parler de quelqu'un qui est censé être plus précieux à nos yeux que nos propres familles, que nos propres âmes, que nos propres corps. Allah wa huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont on va parler. Et là, on va parler en fait non pas de la personne, Inch'Allah, on espère pouvoir faire des rencontres dans lesquelles on va parler de sa magnifique personne sallallahu alayhi wa sallam qu'on aime, mais là, on va parler de son statut de prophète et voir ce que ça implique un petit peu, Inch'Allah, à travers l'explication d'un verset « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Ce qui signifie, écoutez bien, « Et il ne parle pas sous l'effet des passions » Ces paroles font partie de la révélation. Alors, on va essayer d'être clair dans la méthodologie. Le Coran al-Karim est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune intervention humaine, ni dans le sens, ni dans le choix des mots. C'est très important ces deux dimensions-là. Ni dans le sens, ni dans le choix des mots. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit par le biais de Jibril alayhi sallam cette parole qu'il transmet. Il ne change rien au sens et il ne choisit pas les mots. C'est une révélation. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ses paroles à lui, lorsqu'il parle en tant que prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sens émane d'Allah. C'est-à-dire que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonne quelque chose, nous interdit, nous donne une voie spirituelle pour se rapprocher d'Allah, azza wa jal, ceci émane d'Allah. Cela fait partie de la révélation d'Allah, azza wa jal. Mais on parle ici du sens. Par contre, les mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va employer, ce sont les mots que lui choisit. Et ça, c'est une différence fondamentale entre, d'une part, la parole d'Allah, où il n'y a pas d'intervention humaine, ni dans le sens, ni dans le choix des mots, et d'autre part, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les sens émanent tous d'Allah, sans exception. Mais le choix des mots est fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas dit simplement par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme, mais c'est en tant que prophète qu'il choisit les mots. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. De même, Allah Azza wa Jal nous dit « وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا » Ce qui signifie « Et Allah Azza wa Jal a fait descendre sur toi, a révélé, écoutez bien, al-kitab, le Coran, wal-hikmata. Al-hikma, c'est la sagesse. Lorsque nous avons un khitab, c'est-à-dire une parole d'Allah qui s'adresse directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première condition, et que nous avons le mot « el-kitab », le livre, « el-hikma », la sagesse, et bien dans ce contexte-là, lorsque ces trois éléments sont réunis notamment, pas forcément toujours, mais en tout cas de base, et bien le terme « hikma » signifie la sunna. Nous avons révélé pour toi le livre et la sunna. Et le terme « hikma », la « hikma », c'est dire la bonne parole, au bon moment, de la bonne façon, à la bonne personne. Et la hikma de la sunna, c'est le fait de nous montrer comment pouvoir adorer Allah Azza wa Jal de la bonne façon, au bon moment, de la façon la plus juste, dans les actes en tant que tel et dans les paroles en tant que tel. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Et il t'a enseigné par révélation ce que tu ne savais pas. Le ilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'origine divine. Ce n'est pas simplement un homme qui est en train de réfléchir à des problématiques ou à une méthodologie de purification de l'âme. Cela émane du cela émane d'Allah Azza wa Jal. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qu'il a déversés sur toi en abondance, sont immenses. Mes frères et sœurs, à travers le temps, les innovateurs, les égarés, égareurs, les dangers pour votre foi, n'ont eu de cesse de s'attaquer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour plein de raisons. Je vais vous en mettre simplement une ici. Ces gens-là trouvent que la religion d'Allah est une prison avec des menottes. Et pour pouvoir, soi-disant, enlever ces menottes, parce que c'est leur âme qui dirige tout,
ce n'est pas la soumission à Allah Azza wa Jal. Eh bien, ces gens-là, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire et non pas ce dont ils ont besoin en tant que créature, ils sont prêts à tout. À tout, y compris vous égarer. Wallah, mes frères et sœurs, à ceux qui disent la sunna est fausse, la sunna n'existe pas, les gens qui soi-disant s'appellent coranistes, ce terme est trop noble pour ces gens-là. Ce ne sont que des négateurs de la sunna. À ces gens-là, je leur dis lakum dinukum wa liya din. Vous avez un din et moi j'ai un din qui est autre. Demande à Allah Azza wa Jal d'être sur la voie des sahaba radiyallahu anhu, d'être sur la voie des tabi'in rahimahumullah rahmatan wasi'a wa tabi'a tabi'in. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cette voie et qu'elle a toujours été appliquée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ce qui signifie les meilleurs d'entre vous c'est mon époque, ma génération, mon siècle, puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. C'est en eux que nous avons l'exemple et regardons comment eux ont vécu avec la sunna, par la sunna, et l'ont accompli dans leur vie, incha'Allah. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا جميعا يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.